Bonjour mes loulous et bienvenue sur Alliance Occulte. Donc je vous refais une vidéo supplémentaire parce que j'ai reçu plein de colis. Et ça me permet aussi de confirmer la bonne réception de ces colis. J'en ai reçu pas mal, je vous assure. On va commencer par Laetitia, à qui on fait un gros bisou d'amour. Alors, dans le cas de Laetitia, ce sont des livres qui vont me permettre d'approfondir certaines recherches qui seront donc à regagner prochainement sur le réseau, quand je m'en serai servie, quand j'aurai abordé ces sujets. Ça me permet de trouver des pistes, des sources. Je rappelle que je ne lis pas de livres sur ma chaîne, ce sont mes propres recherches que je lis, et que je ne fais pas dans le vol d'auteur, parce que moi j'aime les auteurs, d'accord? Ils sont suffisamment en danger, c'est pas la peine d'en rajouter, d'accord? Donc on fait de gros bisous aux auteurs qui passent par là. J'ai des auteurs qui commencent à me contacter, qui veulent que je présente leurs ouvrages, n'hésitez pas mes chéris, d'accord? Moi j'aime la culture, la connaissance, comme beaucoup de gens qui fréquentent cette chaîne. Pépette, c'est bon, je t'ai entendu! Excusez-moi, j'ai mes chats qui poussent la chansonnette. Donc voilà, et Laetitia a envoyé des livres très intéressants qui seront à regagner prochainement sur le réseau. Voilà, parce que j'ai tellement de livres, vous savez, je ne sais jamais dans quel ordre je les prends, vous voyez. Alors pour commencer, on a les runes, les meilleures méthodes d'interprétation. Donc ça, c'est quand même super parce que le dossier runes, ça, c'était prévu depuis un bon bout de temps, évidemment. Pour ceux qui ont suivi, vous savez pourquoi ça a été retardé, mais vous inquiétez pas, on va venir. Vous savez que quand je commence à écrire, on m'arrête plus, d'accord? Donc, pas de souci. Un sujet très intéressant, donc les runes, voilà. On a ensuite signes et synchronicité au-delà des espérances. Je connais pas du tout. De Jean-Marc Bernard. Alors, les runes, attendez, parce qu'on va citer les auteurs, c'est plus sympa pour eux. Laurent Hacher, Rider. C'est la moindre des choses, hein. On va leur faire des gros bisous au passage. On a ensuite donc Signes et synchronicité au-delà des espérances de Jean-Marc Bernard. Alors ça, c'est plutôt un livre. Parmi les Français ayant perdu un être cher, 24% estiment avoir reçu un ou plusieurs signes. D'ailleurs, d'accord, donc ça a plus un rapport avec l'au-delà. Après leur départ, les défunts ne manquent jamais d'envoyer des signes de survivance à leurs proches et c'est à eux qu'incombe la responsabilité de les identifier. Donc là, l'auteur présente son livre de cette façon. Donc, je vais voir, je vais le découvrir. Merci, Laetitia. on a ensuite les 60 rituels secrets de la magie du sel. Alors ça, c'est très sympa. Ça m'a inspiré des sujets à aborder et pas uniquement concernant le sel parce que vous avez le sel, mais vous avez aussi les dérivés par rapport au sel. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a des sujets qui auraient dû sonner comme une évidence pour moi, mais auxquels j'ai pas pensé, qui seront abordés sur cette chaîne. Donc, les 60 rituels secrets de la magie du sel. On a ensuite de l'usage des herbes poudres et encens en magie. Alors, la magie du sel, pardon, c'est de Charles Le Bonhomme, voilà, pardon. De Michael Destissac, donc de l'usage des herbes poudre en sens en magie, celui-là je l'ai déjà, donc c'est pas grave, ils seront de toute façon à regagner. Pour ceux qui aimeront ce livre, bah voilà, ça laissera plus de possibilités, c'est bien. Donc voilà, là, la mise c'est illustrateur, hein, de l'usage des herbes poudre et en sens en magie. On a un extra, merci beaucoup à Laetitia. Vous savez que moi, je ne suis pas une adepte des oracles, mais il y en a beaucoup qui aiment les oracles. Alors Laetitia, alors là, je vous rassure aussi sur un point, vous allez comprendre, elle nous a envoyé aussi les 10 meilleures façons de tirer l'oracle de Béline avec un oracle de Béline, d'accord? Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, parce qu'on avait un sujet, abordé ce sujet. Si un jeu se magnétise, sachez qu'il se démagnétise aussi. Donc, ça ne vous empêchera pas de l'utiliser. Je m'en chargerai personnellement. Donc, c'est vraiment pas un problème. Ne vous inquiétez pas. Alors, les 10 meilleures façons de tirer le Béline, c'est de Colette Sylvestre à Héberle. Pardon, j'ai failli écorcher le nom. Voilà pour ce que nous a envoyé Laetitia. Ces livres-là, ils vont être à regagner sur le réseau. Après, je les ai utilisés pour les recherches. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, ça permet de créer une réaction en chaîne, de partager la connaissance, la culture et de faire connaissance avec des auteurs, tout simplement. Pour l'oracle de Béline, celui-là, je ne sais pas si... hop, normalement... pas précisé. Après, c'est une jury en Béline. Ok. Donc voilà.
pour ceux qui veulent voir le jeu, excusez-moi, vous voyez, je suis encore pas complètement rétablie. Donc, pour ceux à qui l'oracle de Béline parle, pour ceux à qui il ne parle pas, je vous en montre, voilà, c'est ce genre de carte-là. Voilà, je vous en donne un échantillon, c'est ce genre de choses. Donc, on va vraiment remercier Laetitia qui, du coup, participe en fait à la récupération de livres. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été réclamée. Alex, est-ce qu'on peut t'envoyer des livres usagés? C'est sûr que des livres, il manque 10 pages, évitez quoi. Mais par contre, s'ils sont décollés, etc., machin, vous inquiétez pas, ils vont être tapés par mes soins. D'accord, mes loulous? Mais de toute façon, par contre, quand je les fais gagner en concours, je vous le précise. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous savez que sur Alliance Occulte, on est vraiment transparent. D'accord? Donc, un gros merci, Laetitia. Y compris avec les confitures, ma chérie. Mes enfants et moi, nous sommes régalés. On te fait plein de gros bisous. On a pensé très fort à toi. Ça m'a permis, en plus, d'avoir une conversation pédagogique avec mes enfants concernant les dons que je reçois. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, on a fait un cadeau à ma plus jeune. Donc, du coup, ça me permet de, voilà, d'expliquer à mes enfants d'où ça vient, ce que maman, elle fait, etc. Voilà. Donc, un gros bisou à toi, ma chérie. Et je te remercie de ta participation qui est très importante. Et enfin, ça m'a touchée. C'est bien quand c'est les bouquins, on se connaît bien maintenant. Donc, voilà, ça m'a forcément touchée. Alors ensuite, vous savez que actuellement, donc je réitère la chose, il y a un concours concernant le fils de l'oiseau tonnerre. Un livre à gagner, donc, qui a été écrit par Sylvie Michely. Et alors, Sylvie, elle m'a fait une surprise. Elle ne s'est pas limitée au fils de l'oiseau tonnerre. Suite à la présentation de son livre, elle a été adorable, vraiment adorable comme tout, et elle m'a envoyé aux sources de la déesse. Donc ça, c'est un autre livre que je vais me faire une joie de découvrir, où là, Sylvie explique que dans son troisième roman, La croisée de la sorcellerie, de la connaissance et de la sagesse, Sylvie Michely nous fait voyager dans le temps à la découverte des mythes, symboles et histoires des déesses primordiales. Dans le cadre atypique de la Haute-Loire, découvrez la rencontre inattendue entre Natacha, citadine hyperactive et cartésienne, et Cléophée, solitaire, mystérieuse et amoureuse de la nature. Deux femmes que tout oppose, pourtant elles sont liées. Alors, encore une fois, on voit quand même quelqu'un qui veut réunir les gens. Je ne sais pas si vous voyez, quand j'ai parlé du fils de l'oiseau tonnerre, on voit une auteure qui va au-devant des Indiens crocs. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et là, quelque part, c'est un peu le même principe. Et moi, j'aime les gens qui réunissent les autres et qui vont au-delà, qui sont vraiment curieux. Alors, je continue. Entre hymne au respect et à la protection de l'eau et de la terre-mère, rencontre avec le féminin divin, message d'un guide et découverte d'un monde insoupçonné. Plongez dans cette aventure et commencez un parcours initiatique hors du commun qui vous mènera aux sources de la déesse qui sommeille en toute femme. Êtes-vous prête à révéler votre divinité? Voilà comment Sylvie présente son livre. On lui fait vraiment de très gros bisous. Une femme charmante, je le dis, je le répète. Une auteure que vous pourrez découvrir et connaître au travers d'Internet. Je pense à vous mettre le lien dans la description. Encore une fois, si j'oublie, dites-moi en commentaire, Alex, fais-nous le lien. Ça m'arrive des fois d'oublier. Donc, n'hésitez pas. Parce que, voilà, Sylvie, elle est auteure, mais il y a un travail de fond. Et ça, quand on aime vraiment les auteurs, quand on aime la connaissance, quand on écrit soi-même, on ne peut que respecter les auteurs qui, comme ça, font un vrai travail et je trouve ça extraordinaire. Donc on remercie vraiment Sylvie qui encore une fois vous offre un beau cadeau. Donc une fois qu'il sera passé à la lecture, ça m'aura donné des sources, ça m'aura permis, voilà, tout ça. Il sera forcément à gagner également sur le réseau et on remercie vraiment beaucoup Sylvie. Donc là, c'est vraiment une auteure qui vous fait cadeau d'un livre et qui participe quelque part au partage de connaissances, on peut pas dire mieux. Voilà pour les colis. J'en ai reçu d'autres, mais ceux-là resteront anonymes. Je remercie ceux qui me les ont envoyés, qui ont exigé l'anonymat. Je les comprends complètement, d'accord. Merci beaucoup hein, pour le matériel, pour tout ce qui a été envoyé. Je n'en dirai pas plus. Je vous fais vraiment plein de gros bisous. Pensez à partager cette vidéo, à prévenir les auteurs qu'ils ont leur place sur Alliance Occulte, surtout quand ça touche évidemment la connaissance, donc l'ésotérisme, l'occulte, le paranormal, etc. Vous êtes vraiment les bienvenus sur ce réseau. J'aurai toujours un profond respect pour les auteurs. Moi, j'ai décidé d'être une écrivain public au cœur des nouvelles technologies par choix, même si on me dit « Alex, écris un bouquin, ce que t'écris, tu... » Oui, je sais, mais je suis quelqu'un... On va dire qu'il vit dans l'air du temps. J'ai toujours été très militante au cœur d'Internet. Mais ça, ceux qui me connaissent le savent, d'accord. Voilà, mais ça viendra, qui sait, peut-être, on verra.
En attendant, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Partagez. N'hésitez pas à commenter, d'accord? Si vous avez des questions au niveau du réseau Alliance Occulte, n'hésitez pas. On remercie beaucoup Laetitia et Sylvie. Et puis, que vive Alliance Occulte. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite.